Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur PS4 Pro avec Earthfall. Donc petit jeu qui sort aujourd'hui le 13 juillet, donc qui prend 9 Go. Alors il y a une mise à jour de 6 Go aussi, 6,5 Go à peu près. Donc c'est un jeu qui est jouable en solo ou en multi, comme vous pouvez le voir, en multi, en coop jusqu'à 4, un peu à la Left 4 Dead. Et donc sur la boîte on a un truc, c'est la Terre a été vaincue en une seule journée, les envahisseurs extraterrestres parcourent les décombres, chassant les derniers survivants. Vous voulez sauver votre monde, point d'interrogation, prenez les armes et battez-vous. Voilà, en gros, ce qu'il va falloir faire. J'espère que tout va bien fonctionner sur la capture par rapport au son et tout. Et donc ouais, il y a deux campagnes, ce que j'ai vu, vous voyez. Et en fait ça marche vraiment comme Left 4 Dead, il y a deux campagnes. Et on peut se faire tout ça en coop. C'est vraiment compétence de robot. C'est quoi ça? C'est mes collègues ou c'est l'IA de mes alliés ou... Parce que ça c'est la difficulté. On va laisser normal pour la vidéo. Et là, on va mettre ça, on verra bien. Et puis on va faire la première mission. Hein. Par contre, triangle pour confirmer. C'est très bizarre. Alors, on peut changer de personnage apparemment. On va prendre la petite Maya, tiens. Ouais. Allez hop. On commence et on y va. On va voir tout de suite ce que ça donne. Apparemment, le jeu est optimisé PS4 Pro. Mais j'ai pas trop cherché. Ce qu'il apportait en plus. Il y a certainement le HDR et tout. Je suis obligé de le couper pour faire la capture, donc je pourrais pas vous dire là dans la vidéo. Mais moi j'y jouerai après de mon côté. Je vais le réactiver parce qu'en fait si je le laisse activer, comme ça capture pas en HDR, ça fait merder la capture. Ça peut faire merder la capture et vous avez des couleurs qui sont pas du tout, comme je vous disais une fois, qui sont pas du tout à leur place et tout. Enfin c'est n'importe quoi. J'ai capturé une fois un truc genre sur terre battue, machin, enfin, c'était à moitié de la terre battue par terre et tout. J'ai laissé le HDR, j'ai capturé et la terre elle était plus genre orange, elle était genre à moitié rose et puis il y avait une autre couleur à côté qui débordait, machin. Bon ouais, ça ressemble vraiment à Left 4 Dead, comme ça on saute. Là on vise, là on tire, là on met un corps à corps, là on sprint, là on... D'accord. Donc on a des petits objectifs, donc ça c'est évidemment le genre de jeu qui prend tout son sens en coop. Hein. Faut pas y jouer tout seul. J'espère que les alliés sont pas trop débiles. C'est quoi ces sons par contre là? Qu'est-ce que c'est que ces flingues, mes collègues là? Bon, c'est pas. Ça utilise l'Unreal Engine apparemment, j'aimerais bien savoir lequel. Hein. Parce que c'est pas le dernier, ça c'est sûr. Hein. Ou alors les mecs ils sont pas très forts. Parce que c'est quand même pas super beau. Bon après, j'ai envie de vous dire, c'est pas le principe du jeu, on s'en fout un peu. Connaissance déverrouillée, drone léger, donc apparemment. Parce que je crois, de ce que j'avais compris, on pouvait aussi poser des tourelles, enfin... Il y a pas mal de choses à faire. Pas mal de possibilités. Ouais. On peut se barricader. Set up the barricade. Ok. Set up the barricade over here. I found a fire axe. Sapper! Ouais, on peut se barricader. Ok.
Bon, c'est pas très utile là puisqu'il rentre de l'autre côté. Bon, on va peut-être aller voir ce foutu abri. Oh. Il y a du démembrement, on dirait. Bah ouais, mais à la place d'un flingue, non quand même. Oh la vache, oh la vache, la gueule qu'il a celui-là. Là par contre... Oh putain, la vache. Eh, on est assailli là. Putain. On peut pas sauter par-dessus les barricades. Eh, ça rigole pas quand même, hein. On est assailli. Et là, on peut sauter par-dessus? Non, même pas là. Bon. Plus de ce que j'ai compris, la réapparition des ennemis, c'est un peu genre... genre dynamique. C'est quoi? Ah ouais. Du coup, ils apparaissent pas forcément toujours au même endroit ou quoi, donc c'est plutôt, plutôt sympa à ce niveau-là. Mais bon, enfin, clairement, c'est le genre de jeu auquel faut jouer en coop avec ses potes. Parce que c'est vrai que tout seul avec une IA, t'es vite limité quand même. Ta gueule. Ici on a quoi? Hand cannon here. Oh ouais. Oh putain. Zapper. Zapper down. Oh vas-y. Bon, par contre, on va passer par le garage. Par contre, si c'est comme dans Left 4 Dead, c'était pas une très bonne idée là. L'alarme de la voiture, parce que ça va les exciter. Ah, je suis coincé! Bon. Ah ouais, on peut l'utiliser comme ça. On peut donner des consignes. Non, non, je veux pas le guérir lui. Oh. Boum. 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 Oh putain, je recharge à ce moment-là, évidemment. Oh putain. Bon. Par contre... comment on utilise ce foutu? Ah, comme ça. Ça arrive à même à ramer un petit peu, là. On est sur PS4 Pro et j'ai vu quand je me suis retourné. J'ai fait la mise à jour, hein, pourtant. Rip blast down!
Oh putain. C'est con. Bon, venez par là, vous. Ça, en fait, les armes, je trouve, manquent un petit peu d'impact. Oh, ça monte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une sorte de boss du niveau. Je pouvais pas récupérer ça plutôt. Ah non, c'est quoi? C'est un snipe? Ah non, c'est bon. On peut pas sauter plutôt que de descendre l'échelle comme ça. On est connu. Bon, il est mort, ce salaud. On a une lampe de poche aussi, c'est pas mal. Bon. Faut que je prenne cette foutue hache. Et alors? Bon, je trouve qu'il y a déjà un petit peu plus d'impact avec cette foutue mitraillette là. C'est un petit peu plus sympa graphiquement dans la forêt. La guerre, je vous dis, les gars. Par contre, là, sont mes collègues. Bon, ils ont l'air de pas trop mal se démerder quand même. Sur l'IA, là. Ça a l'air d'aller quand même. Des grenades là, parce que ce serait pas mal une bonne grenade là. Moi je suis le roi en plus pour balancer des grenades dans tous les sens qui me pètent à la gueule plutôt que de péter à la gueule des ennemis. Qu'est-ce que c'est que ça? Protégez-moi. Il y a l'air d'y avoir du démembrement en plus. Mais ça, je... Faut que je vois que Jérémy, ça va peut-être lui plaire. Et ce serait pas mal que ça lui plaise. Faut que je joue en coop, parce qu'on jouait beaucoup à Left 4 Dead tous les deux. Ah merde. Bon. Bah faut niquer le gros là, moi j'ai plus d'armes les gars. I found a med kit. Would anyone like a PM-18? Took out that enrager. Ooh, sniper rifle. Combat rifle here.
Non, un canon, parce que moi, un fusil de précision... attendez. Je peux récupérer l'arme que j'avais. Ah, j'ai des grenades cette fois. Voilà. Je vous dis que je suis débilos. Crap, a whiplash. Jonas got grabbed. Find him. Whiplash is down. Bon. Parce que d'après la boîte, en une journée, ils ont décimé la planète quand même. Hein. C'est con de machin. On a quand même été nuls, quoi. Toujours que je recharge au mauvais moment. En plus, hein. Voilà. Couché. Bon. Il y a un blaireau qui nous arrive dessus. J'ai vraiment cru que je t'avais pas vu, toi. Enfin, franchement, si eux, là, ils ont mis une journée à décimer la planète, on a quand même été nuls. À moins que sur leur vaisseau ils aient des technologies de ouf qu'on puisse pas contrer. Plus de munitions en plus. Ça va être beau ça. Ta mère. Désolé les gars, mais j'ai plus de munitions, alors bon. Ah, merci. Bon, ça va, l'IA, ils tirent, ils ont l'air de s'entraider, ils ont l'air de... Oh non. Tire dur quand même lui hein. Oh là là. Oh là là.
tant qu'il n'y en a pas d'autres qui arrivent, ça va aller. Oh putain. J'ai plus de grenades en plus. Il tire beaucoup en plus, hein. Il est mort ce salaud. Il est mort. T'es mouru, ça bait. Une faucheuse, ça... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oh. Par contre, ouais, j'avoue, les effets de... d'explosion, de flammes, tout ça, c'est très moche. Ça, ça utilisait Unreal Engine, franchement. J'ai quand même un petit peu de mal à y croire. Hein. Bon, vous voulez pas, les gars, je veux pas vous traiter de menteur, mais. Peur de rien, je vous attends. Pète ça. Peut-être c'est un peu dangereux ce truc parce que je fous le feu à mes potes. N'abusez pas quand même. On va pas garder ce machin parce que ça encombre et bon. Tu crames tes potes la moitié du temps. Ça va attirer un essaim. Oh non. J'ai encore cette grosse merde et j'ai plus de munitions. Et en plus il va venir juste devant moi. Bordel de merde. Je mets des coups de hache, moi, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est bien, mais... C'est vraiment ce que je cherchais. Oh, putain. Je disais que c'était pas ce que je cherchais, bah en fait, si. Bon, visiblement, il y a des choses qui se déverrouillent. C'est mon pote, il est là. Tout le monde est en train de crever. Hop. L'autre là, il va me défoncer, hein. Il va pas me laisser faire. On va pas s'en sortir. Je me casse, les gars, je suis désolé, mais... Bon. Ben voilà. 127 kills. 27 headshots. 36% de précision. Ouais, bon. Et ben voilà, écoutez. On va pas aller plus loin. Hein. Ça va faire une vidéo plus courte que ce que je pensais. Bon, ben voilà, hein. C'est une sorte de Left 4 Dead auquel faut jouer vraiment avec ses potes. Si c'est vraiment qu'en solo, bon, c'est pas fou. Si c'est avec ses potes, ça peut être plutôt sympa. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu de ce genre-là. Puisqu'il y a eu Evolve, mais Evolve, il m'a carrément déçu. Je l'avais acheté sur PC et tout, et en fait, il m'a carrément déçu.
Donc il n'y a que Left 4 Dead, voilà. C'est plutôt sympa. Maintenant, à voir si j'ai des potes qui l'achètent ou pas. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.